Yes, it's so sir. So sir, so sir. Yes, it's so sir. So if I'm checking my mark. No problem, I'm checking my dose. Tu n'as pas un nom? Mon nom c'est Geneviève. Zahé Geneviève. Je viens d'où? Je suis de Bangolo. Mm-hmm. De là, je viens d'où? Mm-hmm. C'est le village de Manjada. Comment on appelle le village? Jondrou. Jondrou. Mm-hmm. Allons-y. C'est vrai, j'ai bouffé mon fils. Je ne peux pas nier. Et je l'ai bouffé. Et j'ai bouffé. Une personne, mes petites sœurs, ma sœur qui me suit là, elle a ses trois enfants. On commence à dire le nom. Le premier que tu as bouffé. C'est ma petite sœur. Mm-hmm. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Eugénie. Mm-hmm. Oula Eugénie. Mm-hmm. Et puis il y a Oula Martine. Il mm-hmm. y a Oula Chantal. Mm-hmm. La Oula. Quand t'as fini les Oulas, son mari. La Oula, Oula Rachel. Tu manges les Oulas, son mari. La Oula. Son vrai nom là. Tu manges les Oulas. C'est un garçon. Ça s'appelle Saint-Oula. Puis c'est les trois filles de ma petite sœur. Il y a Viviane. Il y a Madeleine. Et puis, cela, ce sont les huit là. Pour mon fils, il dit que vraiment, femme qu'il a pris là, elle ne respecte pas. Qu'il n'a pas laissé femme. Il dit, femme qu'il a pris là, il dit, elle ne respecte pas, elle n'a pas laissé femme là. Il ne veut pas. C'est ça mon colère. Et puis, je l'ai bouffé. Puis je l'ai tué. Comment tu allais le prendre pour le tuer? Il y a chat. Mm-hmm. Il y a chat. Ça veut dire quoi? Il y a chat. Les Français, là, ils ne connaissent pas bien. Quand tu dis tu es chat, ça veut dire quoi? Je dis, je fais chat. Laissez. Je prends quelqu'un par là-bas. Je transforme chat. Je sais bien interpréter que vous. Tu fais quoi? Je transforme chat. Comment tu fais? Pour aller les prendre. Pour rentrer dans la maison pour les prendre. Hein? Et pour rentrer dans la maison pour les prendre. Bien expliquer. Quand tu es homme, tu deviens chat. Pour expliquer ça. Pour expliquer. Tu es homme, tu deviens chat. Explique-nous ça. Et tu as parlé de ça devant un blanc, on dit non, tu la traites. Ça va un peu chez elle? Il y a une amélioration. Elle est sa voix soeur? Non. Oui, ça va sortir. Est-ce qu'elle mange? Non, pas où. Oui, ok. Ça va aller progressivement. D'ici 5 jours, ça va. J'ai un bois. Quand j'attrape là, j'ai un bois. C'est ça. Non, tu dis tu es chat. Il transporte chat. Tu transportes. Mm. Tu te transformes. Mm. Tu te transformes en chat. Mm. Comment tu fais? Il me change à ça. Mm. Comment tu te changes en chat? Tu fuis ma question, hein? Tu fuis ça. Elle fuit. Il est transporte. Après ça, c'est français là. Oui, mais tu te changes là. Ça veut dire quoi? Comment tu peux te changer? Toi, tu es homme. Comment tu deviens chat? C'est ce qu'on veut savoir. Tu fais comment? Tu dis quelle parole, tu deviens chat. Non, mais entendre ça, c'est une science. C'est la société, c'est quelque chose qui est caché. Donc, comment tu fais en tant qu'homme, tu deviens chat? Il faut nous expliquer ça. Je parle. Tu dis quoi? Je parle. Quand je trouve la personne, je parle sur lui, je parle sur son cœur. Et puis. Hey, madame, vous dites vous devenez chat. Hein? Comment vous arrivez au transformer chat? Mais c'est ça, je dis quand je fais. Non, tu es déjà arrivé sur le cœur du monsieur que tu vas entrer frapper. Non. Avant d'attraper la personne, vous devenez chat, c'est ce que j'allais dire. Mm-hmm. Comment vous arrivez à vous métamorphoser? Vous êtes homme, vous devenez chat. C'est ça là que moi je veux entendre. Comment vous arrivez à faire ça? L'autre n'est pas facile, hein? Si elle est guérée, là, j'allais parler. Eh, hey, tiens, français, tu parles, on comprend.
Vous comprenez ça? Je transporte, je... Toi, tu es homme, non? Mmh. Hein? Comment tu fais pour devenir chat? Je me change. Hein? Mais oui, comment tu fais pour changer? Je parle. Tu dis quoi? Je parle non de la personne. Et celui qui devient chat ou c'est toi qui deviens chat? C'est moi qui deviens chat. Oui. Je parle non de la personne. Mmh. Et je vais le prendre. Mmh. Aujourd'hui, là, moi, je vais le prendre pour que je change. Mmh. Et puis, je me change à ça. Puis, je m'en vais le prendre. Non, tu mens. Mmh. Il dit quoi pour devenir chat? Bah, il dit, chat d'avoir un chat, on va d'aller l'attraper. Mmh. Et d'aller lui le nom de quelqu'un. Donc, on connaît comment le cheminement, la sorcellerie. C'est quand tu vas attraper la victime, tu dis le nom de la victime, tu prends son âme. Maintenant, toi, tu dis quoi pour te changer? D'abord, avant d'aller la frapper. Non, non, tu ne dis pas ça clairement. Tu dis quoi toi-même pour te changer? Et tu te transformes d'abord. Tu ne dis pas le nom de la personne. Si tu dis le nom de la personne, ça dit après son âme. C'est ça, je dis, je me transforme d'abord. Avant tu dis quoi pour te transformer? Le travail, là, ce n'est pas facile. Quand tu vas en ta migraine, tout t'énerve. Et c'est énervant d'écouter les trucs comme ça. C'est pas bon d'entendre ça. Madame, on comprend ton français. Le français dans les parler là. Il faut bien expliquer. Fais exprès. Sinon, tu peux bien expliquer. Je ne fais pas exprès. Mm-hmm. Il y a des Français qui me manquent aussi. Madame, vous avez dit vous changez, non? Mm-hmm. Quand on dit changer, c'est quoi? Toi, tu es homme, tu deviens chat. Tu vois ça? Mm-hmm. Comment tu deviens chat? Mais c'est ce que j'en ai dit. Tu dis quoi pour te transformer? Puis du coup, tu es devenu chat. Je parle. Tu dis quoi? Vous voyez comment on va dire déjà? Je parle. On va aller tous manger. On va parler un peu. Je parle là. Tu dis quoi? Je parle sous mon âme. Mm-hmm. Lorsque je parle, puis je m'avais transformé. Oui, c'est ça, vous dites. Mm-hmm. Tu dis quoi? Je parle, je dis que je m'en vais. Tuer l'homme. Je m'en vais tuer la personne. Mm-hmm. Tu vois, tu transformes chat. Maintenant, il faut me transformer. Mais comment tu deviens chat? Maintenant, il devient chat. Comment? Quand tu ne dors pas la nuit, alors. Hein? Quand vous devenez chat, vous faites quoi après? Quand il devient chat, maintenant, je m'en vais rentrer. Maintenant, où se trouve la personne? Si je pense à là. Pourquoi tu... Il faut forcément te transformer pour rentrer dans la maison, c'est ça? C'est ça? Oui, pour prendre son âme, mais après, il faut te transporter. Mmh. Maintenant, tu vois comment? Maintenant, il m'aurait prendre son âme. Mmh. Donc, tu fais quitter ici pour aller à New York pour manger quelqu'un? Oui, je suis jamais arrivé là-bas. Tu peux quitter ici pour aller à Abidjan? Ça vous, je parle. Oui. Vous avez la possibilité de quitter Divo pour aller à. Comment vous allez? Zondro. Vous pouvez arriver à Bangolo là-bas? Oui. Comment en fait? D'ici, Bangolo. Faut de tête. Comment tu fais pour arriver là? Quand je prends parce que j'arrive à Bangolo, viens. Eh, madame, pardonnez. Eh, hey, on parle de sorcellerie. Quand tu quittes ici pour aller manger là-bas, là, tu fais comment? C'est ça, je parle là. Je dis, quand je transporte le chat, la fille, je m'en vais. C'est moi, vous voulez pas faire ça? Moi, je te laisse. Moi, tout à l'heure, je prends mon voiture, ma vie pour voyager. J'ai dit, c'est sorcellerie. Quand tu as vivo ici, là, comment tu fais pour aller à Bangola en sorcellerie? C'est ce qu'il demande? On a tout le monde en train de parler. J'ai dit, on a déjà écouté ça. Tandis ça, comment tu fais pour ta partie? En quoi tu fais? Je fais à Ben. Hein? Abeille. Hein? Abeille. Abeille, c'est ça? Tu dis abeille. D'accord, on va te dire. Tu les comprends, tu les penses. Tu comprends tout. Je fais abeille pour partir. Hein? Je fais abeille pour partir. Abeille. Abeille. Tu comprends tout le français. Vous faites abeille, vous partez. Comment? Il est arrivé là-bas, tu deviens chat. Je m'en vais. Donc, il n'y a pas voiture, toi, tu t'en fous de ça. KS, non, il te bête. Il te bête, tu t'en fous. Non, il te bête là, tu t'en fous de ça. Non, c'est ça. Il dit KS, tu te plains. Tu prends pas KS, il te bête. Non, il te bête, tu prends pas.
Oui, moi je veux voir la science, cette science-là. Où vous en voulez? Donc quand tu t'envoies là, tu viens abeille là, on ne te voit pas. Comment tu fais? Comme moi, je ne peux pas faire. Je veux savoir. C'est terrible. Maintenant, comment tu fais pour aller manger? Tu as mangé combien? Hein? Manger, oui. Tu as tué? Combien? Allons-y. Le but là, mon fils est parmi. Non, dis le nom, réponds le nom. Mon fils est parmi. Il est Shaddam. Mmh. Il dit mon fils que Shaddam, il est parmi. Réprenez-moi le nom de but. Réprimons les noms de 8 personnes que vous avez tuées. J'ai dit mon fils. Jérôme. Sapta Jérôme. Et puis voilà, j'ai dit. Voilà Martine. Voilà Chantal. Voilà Rachel. La première, moi j'ai tout le blanc. Oula. Le oula là, c'est bon, on le mange. Comment tu fais pour tuer? Tu as boire, tu manges, tu te piques, tu es mort. Tu as gâté qui? C'est mon fils, j'ai gâté son bien. Il n'a pas de nom. Jérôme. Quel jour? J'ai dit mon fils, il a gâté son bien d'avis. Quel Jérôme? Jérôme, non, j'ai dit mon fils. C'est lui qui est dans le clic. Ah, vous pouvez préciser? Tu as gâté d'abord ses biens avant de le manger. Il a payé Massa. Hein? Massa. Il a payé Massa. Avant de payer Massa, il avait me dit, il dit de ne pas payer Massa. Mais toi-même là, il y a quoi? Pourquoi? Vous avez dit que la maison. Moi, je dis que je vais Maintenant, ma soeur, là, si vous pouvez acheter ma soeur, là, vous pouvez avoir l'argent que l'acheter, c'est pas mauvais. Ma soeur, ça allait produire l'argent, ça produit. Cool, là, ça parle l'argent dedans. Donc, tu as fait quoi? Son fond de pourrailler, il a fait un fond de pourrailler. Ferme. Un ferme, c'était grand. Tu as gâté? Il a gâté ça. Comment? Il a tout le poulet là. Et comment tu as fait? Non, je suis gâté, je voulais vous dire. 45 poulets sont morts. La gosille a dit, maintenant on est 45 poulets. Oui, allons-y. Le poulet là-bas, il est parti là-bas. S'il vous plaît. J'ai dit, quand il est parti là-bas, je lui ai dit que je vais manger poulet. Mm-hmm. Et puis, il dit que maman n'a qu'à rentrer dedans pour prendre. Mm-hmm. Donc, quand il est rentré là pour prendre deux poulets pour tuer, pour manger, le reste là, il est venu. Vas-y. J'ai dessus, et puis tout est mort. Mm-hmm. Mais lui m'a dit d'aller manger. Que tu gardes, pourquoi? Lui t'a dit de manger deux poulets, non? Mais pourquoi tu gâtes? Tout à fait quoi encore? Blanc, il refuse quoi? Quand il finit, les prêts assis, merci toi. C'est nous, on fait délivrance. Je ne sais pas qu'elle me tue, il y a longtemps qu'elle ne voulait pas parler. Je dis pour ne pas qu'elle me tue, c'est pourquoi il y a longtemps, quand il me demande, je ne parle pas. Il te demande quoi? Il me demande, c'est, il y a quoi? Il y a quoi? Et puis il m'a dit comme ça. Donc, lui, il te demande pour lui, tu poses la question. Tout ne dit rien. Parce que c'est un corps à Dieu. Et puis tu vas le proguer. C'est un corps à Dieu, il dit le propre. Comme tu sais que le corps à pied, tu vas le provoquer. Tu gardes poulailler, tu gardes massa, tu sais ça. Je vais me protéger, je sais pourquoi il ne fait pas tout. Hein? Il
Dieu me protège. Il te protège. Je vous parle de petit grain. Moi, hein, j'allais chercher pour ça. Vous allez vous affronter. Tu me disais que le corps a Dieu des gars pour l'œil. Comme David, non? Ma soeur. Tu es venu ici, là, tu m'as dit mes enfants sont contre moi. C'est moi qui t'ai traité. Il dit arrête ta comédie. Là. Quel enfant est contre toi? Tu n'es pas sorcier. C'est moi qui dis voilà. Donc tu n'es pas venu pour ça. Hein? Mais je sais ce que j'en ai de fait. Tu as menti quand tu es venu là. Ou bien? Ah oui, il est premier d'abord. Maintenant, celui qui ne voit pas clair va te dire non, tu n'es pas sorcier. Vous niez premier d'abord. On va sortir. Il nie d'abord, premier. Quand je vais faire la pitié, non, je vais pleurer. Que mes enfants. Il dit arrête ta comédie là. Quel enfant. Quel enfant qui veut tuer mon enfant. Il est le sorcier. Combien? Tu as gâté quoi? Hein? Tu es seul qui t'a gâté. C'est ce homme seul. Tu as combien d'enfants? Hein? Et le troisième, t'as pas gâté. Hein? Qui l'a initié? Alors? Donc lui-même, il veut se gâter. Peut-être que tu ne veux pas parler. C'est pour ça qu'il a initié. Comment? Elle veut préviser la société. Il a dit, tu ne veux pas que ça finisse dans la famille. Donc tu donnes à quelqu'un. Je t'écoute, hein. Allons-y. Ça, c'est déjà allé, c'est maman, je l'ai reçu. Deuxième, là. Troisième. Troisième, comment il s'appelle? Celui qui a initié, là, tout son nom. Il s'appelle. Hein? Deuxième. Et troisième. Il s'appelle. Madame. Jérôme. Oh, on vous a délivré, hein. Vous partez, à Zaruko. Hein? Maintenant, vous partez. Sabri, va aller matin à Zarko là-bas. Va aller manger à Gogo pour là-bas. Hein. Il s'appelle Jean-Marc. Qu'est-ce que tu as gâté? Attends, lui, je l'aime. C'est que celui que tu aimes qui te gâte. J'ai pas vu sortir les quelqu'un. Au contraire, c'est celui que tu aimes là qui te gâte. Madame, c'est à moi que vous voulez jouer. C'est à moi que vous voulez jouer. Vous savez pas que c'est celui qu'on aime, là, celui qu'on donne. Là, vous savez, mais vous, là. Sorcier, c'est aimé. Allons-y rapidement, je vais finir tout ça. Hein? Mais la délivrance, il ne parle pas, justement. Hein? Tu parles comment? Le deuxième a tagagé quoi dans sa vie? Donc tu es en train de jouer, moi. Il faut que je parle pour que tu dises non, tu as fait ça. Mais pas tu n'as rien gardé dans sa vie. Hein? Hein? C'est ça? Tu as des parents ici? Tu as des parents? Il est où? Il sait que tu es ici. Il sait que tu es ici. Il faut l'appeler. Il peut dire ça devant ton mari. Il appelle là, il ne va pas venir. Pourquoi? Il va dire qu'il est occupé. Il va dire qu'il est occupé. Pourquoi? Ça dépend de l'information qu'on va apporter. On va dire à ton mari, viens. Viens parce qu'il y a des problèmes de sorcellerie qu'on veut régler. Ah, c'est lui, c'est lui. Tu viens avec quelqu'un, non? Il doit savoir qui tu es. Elle dit, c'est grave, là. C'est grave. Hein? Donc, lui, avec qui tu es là, lui, ça t'a dit rien. Je suis sorti de mon cas, tu n'avais pas un problème. Mais tout ça.
Fragati qui encore? Fragati qui? Parce que moi, mes enfants, là, que les... Seulement. C'est tout. Je vais vous mentir. Mon frère t'a gâté son travail là au village. On va dire ailleurs. Mon grand frère. Depuis, il a oublié mon grand frère. C'est lui, Yeshu. C'est ce que tu dis là, non, artiste. C'est lui, Yeshu. Ah, il a fini là, il m'a réveillé. Après, là, tu es fini. Je dis, c'est lui, Yeshu. Là-bas, il s'est venu. Il n'y a pas enfant entre nous, c'est lui, Yeshu. Va t'asseoir, comme tu as oublié là. Il va te dire. Moi, j'aime pas les gens qui viennent prier. Salut, viens ici. Bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est où? Monsieur Daï, quoi? Du sorcier. Sorcier pour le bain. Grand sorcier. Grand sorcier. Elle est grand sorcier. Est-ce qu'elle est prête à parler? Elle est prête à parler. Elle est prête à parler. Je suis prêt à te dire. Va derrière elle. Tu te rappelles si vous voulez. Combien? Laisse-la. Merci. Il y a même qu'on vous donne l'argent, vous ne pouvez pas travailler. Viens ici, viens. Elle bave pas aujourd'hui, non? Hein, bavé. Comment dire, bavé? Elle va gêner ici, on gêne. Ça va? Comment t'appelles? Ah, la guérie. Comment t'appelles? C'est bon de prendre cette vidéo. Quand la guérie, là, on va remettre la vidéo. Les maladies et puis l'état de guérison. Comment t'appelles? Laissez-la, comme ça. Je vais vous donner un nom. Hey, mama. Vinha.
ça qui ma manière bra. Ma nièce. Elle a gâté qui? Sa nièce, Marie-Noël. Elle a gâté qui? Moi, à sa qui? Elle a gâché la vie de qui? Moi, à sa qui? Ben, men. Ben, moi, moi, c'est qui? Moi, minia, bra. Moi. Au revoir, le baiser. Elle a gâché la vie de combien de personnes? À sa qui? Ben, elle a gâché la vie de combien de personnes? Combien de personnes? Moi, Bodouma. Assez bien, Bettinien. Cadio. Bettinien, Bettinien. Bettinien. Dans les noms. Bon, ma sacré belle. 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 Bon, Je vais y aller. Non, ma bacala. Il va brave, il va m'ouvrir. Il brave, il va m'ouvrir. Elle dit qu'il faut pas, je vais faire un peu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est la pratique sur toi? Tu ne veux pas que tu fais enfant? Et moi, yo. Je ne veux pas que tu fais enfant. 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 Moi, je ne veux pas que tu fais. Je t'ai dit pour pas me fatiguer. Hein? Je t'ai dit ça, je vais te laisser tout de suite. Non. Tu as fait quoi? Tu n'étais pas enfant. Elle tu couches pas avec elle. Mais non, c'est moi qui parle à ta place. Dégage. Quelqu'un d'autre. C'est qui? Toi, tu sais pas comment tu as fait pour que ta femme, ta fille ne passe pas à partir. Tu sais pas ça? C'est ma grande coupée, mon mari qui m'a donné. Et quand elle me donne, elle m'a donné un ticket. Elle poisson. Elle a transformé le poisson en viande. Et puis elle m'a dit. Et elle m'a mangé la mienne, elle a donné le pain. Elle m'a dit au camp de la société. Elle m'a donné du sang et bu. Et puis elle m'a dit que de choisir quelqu'un dans ma famille pour trouver la personne. C'est ma grand-mère. Ça fait mille. Ma grand-mère côté papa. Tu l'as tué. Quand on voulait la tuer, on lui transformait en souris. Et lui, s'il n'a plus l'argent, il a pris une situation là. Et puis, il a créé son nom trois fois. Mais, et puis, son âme est sorti. Et ce papa, ça. Il a transformé en mouton. Tu l'as mangé. T'as tué combien de personnes? 16 personnes. 16? Oui. Tu peux avoir le nom de moins de 6 personnes? 6.
Peut-être j'ai dit le nom d'une seule personne. Je n'ai pas allé très loin. Non, le nom de cette personne. La Jeanne. Hein? Quelle Jeanne? C'est vrai que ça s'appelle Jeanne. Hein? Ma grand-mère. Tu as déjà dit le nom, oui. Ça, tu as déjà dit. Les cinq autres. La Ama. Quel Ama? La voix parentée. Hein? La voix parentée. Comment tu as la tu vois? Dis-moi le nom des gens qui t'ont trouvé une parenthèse. C'est un sorcier, tu parles long, il tue dans la famille. Ce que tu as tué dans la famille, il faut dire. On va vite, hein, sinon tu vas te mettre, je vais te mettre de l'autre côté tout de suite. Il n'y a pas le temps. Aujourd'hui, là, il n'y a pas le temps. De nous dire. Allons-y. Hé! Hey, dis-moi le nom des personnes que tu as tuées. Si vous avez laissé la j'ai dit des deux semaines, vous prenez. Tu vois, Amma, il dit non là. On t'écoute. J'ai tué deux personnes. Tu es d'abord comment de tuer? Je suis sorcier. Qui t'a donné? Hein? Ma tante. Comment elle t'a donné ça? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline quoi? Comment elle t'a donné? Elle m'a donné sa famille. Hein? Mais le comment elle t'a donné ça? Elle m'a appelé, j'ai venu manger chez elle. Elle a attaqué mon chef. Hein? Elle fait quoi? Elle m'a appelé de venir manger. Quand je suis passé à pied, elle a tapé tout ma famille. Moi, je suis passé à pied manger. Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, là, la nuit, quand je suis venu me chercher, on allait dans ce semaine. Et puis, elle m'a donné une viande. Alors, on passe un peu et tout. Après, elle te dit d'envoyer quelqu'un d'autre. Mmh. Je peux aussi dire, je n'ai pas, elle dit pas. Elle dit quoi? Elle dit de lui donner, d'envoyer quelqu'un. Mmh. Et puis, il a envoyé ma petite soeur. Mmh. Et puis, on a envoyé ma petite soeur. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Stéphanie. On t'écoute, hein. Après, on a dit de lui donner mon grand frère. Et elle dit, je ne veux pas. Et puis après, elle a tué là. Moi et toi, on a mis ensemble. Et puis moi et toi, on a tué la femme de mon nom. La femme de qui? La femme de mon nom. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Madeleine. Elle était où? Elle était dans le village. Le village n'a pas de nom. Le village s'appelle Akadia. Bien. Et puis elle dit d'envoyer mon grand frère. Il ne veut plus. Elle dit si elle n'a pas envoyé mon grand frère, même elle me tue. La nuit, quand je dors là, elle vient me fatiguer. Je dors jusqu'à un peu après. Mes deux heures, c'est ferme. Et puis elle ne peut pas ouvrir. Quand je laisse ça comme ça, quand le vent sur le papier, ça ouvre. Elle voit. Elle dit la nuit, quand elle doit se deux yeux, c'est ferme. Et ça tombe, vers la fatiguée. Elle n'a qu'à donner son grand frère. Elle dit, elle ne veut pas. Une menace, elle ne veut pas. C'est elle-même qu'elle va tuer. Donc, elle, quand elle dort la nuit, elle veut la fatiguée. C'est deux yeux, c'est ferme. Tu dis, après un moment, ça s'ouvre. Ok, faut pas nous distraire, t'en veux. C'est pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait, la sorcellerie? C'est bon, pour votre enfant? Elle a tué qui, là? Il dit, j'ai tué ma petite soeur. Votre enfant? Petite soeur de qui? Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Stéphanie. C'est ça? Elle est morte en quelle année? Il y a à peine 2 ans. Il y a 6 ans d'ici là. 6 ans. C'est toi qui l'as tué.
Comment tu l'as tué? Ouais. C'est toi qui l'as tué. Comment tu l'as tué? Comme ils aiment bien accuser des gens, moi avec elle, c'est toi qui l'as tué. Qui a donné le coup? Qui a donné le coup? Qui a donné le coup? Alors? Tu fais quoi? Lui, il a des équipes. Hein? Qu'est-ce que tu as fait de sa vie? C'est pas ton mari? Ta sorcellerie? Hein? Qui t'a attrapé la dernière fois ici? Qui t'a dit tes sorciers? Hein? On se connaissait? On se connaissait avant? Tu as fait quoi lui là? Tu as fait quoi de sa vie? Viens te mettre de côté. Mais, on va vite, vite. Tu as fait quoi de sa vie? Qui a donné son sorcellerie à lui? C'est moi. Hein? Moi. C'est toi. Comment tu as donné la sorcellerie? Petit, tu as donné la sorcellerie? Tu t'as donné? Qui t'a donné? Tu t'as donné la sorcellerie? Tu comprends pas ça? Il t'a donné la sorcellerie? Il t'a donné la sorcellerie? Tu ne connais pas sorcellerie ici encore. Tous les enfants nègres savent sorcellerie. C'est toi qui viens de la sorcellerie. Et lui, il est là, ça. Tu as gâté qui? Gâté ma sœur aussi. Elle s'appelle Rachel, le village. Tu n'as pas un enfant de déconner. Et lui? Il a vu mon petit frère. Lui, c'est qui? Lui. Lui. Il s'appelle mon papa. Ah, donc tu quittes devant. Quitte. Comme tu as mis des pleurs, quitte. Tu reconnais ta sorcellerie. Je parle à ma bouche. Il ne faut pas répondre à la tête. Tu reconnais ta sorcellerie. Qui t'a donné ça? Ma tante. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Yvalet. Yvalet. Quelle tante? Maternelle, maternelle. Maternelle. Comment elle t'a donné ça? Comme une étude. Explique. Elle m'a donné du riz avec de la. Vient de porc. Elle a consommé la veine en chair humaine. Et puis j'ai mangé. C'était où? C'était où? C'était où? C'était au village. Et puis qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé. Et tu es devenu? Sorcier. Et quand tu es devenu sorcier, qu'est-ce que tu as fait? Ma mère est venue chercher. Et puis on est allé dans la confrérie. Elle m'a donné un goûter encore. Dans quelle classe? Cinquième. Vous n'avez pas bien français. Tu m'as donné de la nourriture. À quel âge? 13 ans. Ok. Tu m'as donné de la nourriture encore avec du sang humain. Et j'ai dit. Et puis elle a dit de donner quelqu'un de ma famille. Pas fort. Elle a dit de donner quelqu'un de ma famille. Et j'ai donné ma. Hein? J'ai donné ma. Ma, c'est qui? La soeur maman, sa fille. Tu as donné qui? Tu as donné qui? Tu l'as tué. Tu as tué qui encore? Et tu as fait quoi? Maintenant, sorcellerie, là, maintenant, c'est plus forcément famille. Maintenant, c'est plus famille. Allons-y. Tu as gâté quoi? Tu as fait quoi? Tu as gâté la vie de ton papa. Venez, monsieur. Qu'est-ce que tu as gâché dans la vie de ton papa? Il gâte tous ses dossiers. Il gâte tout. Tu peux bien expliquer. Tous ses dossiers. Quand il veut faire un projet, c'est moi qui gâte à ma soie et puis il laisse. Il veut faire un projet, c'est moi qui gâte à ma soie et puis il laisse. Il va suivre et il gâte à ma soie et puis il laisse. Vous pouvez expliquer? Vous avez des projets? Oui, j'ai pas mal de projets. Je travaille déjà à la banque. Je suis allé sur l'Allemagne. Là-bas, j'ai étudié. Je suis revenu en France.
Et donc là, j'ai monté ma propre société dans le domaine du cacao. Donc, on avait pas mal de clients. Je suis allé ici en Chine. Et tout ça, ça n'a rien à voir. Donc, à force de tourner là-bas, j'ai dit, bon, je vais arriver. Depuis 2012, novembre, octobre 2012, je suis arrêté. Bon, j'allais faire des petites choses ici, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est vraiment sur mon projet que je fais. Tu as projeté quel projet? Et eux-mêmes, leur papier, pour qu'ils puissent venir, lui et puis sa maman, tout ça, c'est bloqué. Où ça? Pour qu'ils puissent me retrouver en France, en fait. Faire des démarches pour qu'ils puissent me retrouver. Tout ça, ça va marcher. Donc, ici, pas de dossier, c'est possible. Oui, donc, mais quelqu'un explique quels sont les dossiers qui ont bloqué. Comment tu arrives à bloquer un dossier? Pour que tu expliques. Les chats avaient la photocopie. Une fausse photocopie. Et puis, ils prennent la vraie, ils m'en avaient. Donc, tu arrives. Excuse, je n'ai pas un exemple, c'est un billet, non? Vous n'allez pas mon billet. Ça, c'est un billet, d'accord? Ça, c'est un billet de banque, mais prends la main droite. Ça, c'est un billet de banque, c'est ça? Ça, c'est le billet. Donc, tu changes, tu mets nos copies qui n'ont rien à voir avec l'original, c'est ça? Et tu mets la photocopie, tu ne fais pas le vrai, et puis tu envoies ça où? Dans la confrérie. Et pourquoi? Et là, vous fermez ça là-bas. Et à ton propre père, tu as fait. Tu fais pourquoi? Ben, tu fais ça à ton père. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? De quoi? La sorcellerie. C'est tout. Et ton papa? Celui qui a besoin de délivrance. Celui que tu as bloqué. Maintenant, celui-là est délivré. Toi, maintenant, on peut te délivrer. Bien sûr que tu veux te délivrer. Vous habitez où? On est à Abidjan. Abidjan, la campagne, c'est Cosy. C'est Cosy, elle a beaucoup de ces déjà. Quel quartier? Dans le pouvoir. Tu veux tout laisser? Bien sûr. Ok, vous avez déjà une bouteille? Oui, mais on a encore besoin d'une bouteille. Et prends, vois, une bouteille. Vous avez déjà ça. Et qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Viens. Alors, je vais t'aider. Amen. Qu'est-ce que tu as fait cette amen? Alors quoi? Elle n'est pas foncée. Qu'est-ce que tu as fait? Il a fait le devant pour deux. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu as mis une boule en savon. Comment tu t'es arrangé à introduire une boule dans ta main? Tu sais pas comment? Tu as fait comment pour introduire la boule dans le ventre? Tu as lancé le sort à comment? C'est ce qu'il veut savoir. Le sort a été lancé comment? Quand tu allais lancer un sort, ça s'est passé comment? C'est ce qu'il veut savoir. Il y a un goût. La nuit, tu avais quoi? Je me suis rendu devant. Après, j'ai laissé caillou tomber dans son ventre. Tu fais tomber un caillou dans son ventre. Mais c'est ce caillou-là qui est dans son ventre. Tu vas la libérer. Je ne vois pas.
Et ton caca, c'est celui que tu as mis ici. Tu l'as gâté. Elle n'était pas la seule chose que tu as fait. Tu as aussi versé, tu as pris ton instrument et tu as mis ça sur la bas du journal avec lui. Voilà. Pour parler. Lui, tu l'as libéré. Non, libéré. On est ici. Voilà. Lui verra sa délivrance tout à l'heure. Vous allez partir. Il laisse lui là. Tu verras sa délivrance après tu seras parti. Elle est votre fille de l'église. Qui? Il faut parler par Inami et on traduit. Non, exactement. Non, exactement. Comment elle a gâté son bain? Qu'est-ce qu'elle a fait pour connaître? Elle couche avec moi. Et pourquoi elle veut pas gâter ton bain? Elle m'a dit qu'elle va faire mon bain. Moi, donc elle a fermé le ventre. Elle a gâté qui encore? Elle t'a que moi vieux. Quoi? Ma grande sœur Hélène. Qu'est-ce qu'elle a gâté? Elle croit Dieu, ça qu'il y a quoi ça? Elle croit trop. Ici, quand même, elle va. Son agent. Elle a pris l'argent de ma grande sœur. Envoyez ça où? Elle va où? Gloum là, mon père. Elle parle quoi, tu as pas où? Il y a un bac qui est à Abidjan.